Mais ce matin, nous sommes venus faire une vérification des prix concernant la filière laitière. Les agriculteurs ont déjà beaucoup donné à travers ces dernières années. Et aujourd'hui, eh bien, les agriculteurs en ont marre et sont fatigués d'être toujours, disons, la variable d'ajustement par rapport au prix. Puisque aujourd'hui, eh bien, on sent bien qu'on a, une grande surface qui essaye de tirer les prix vers le bas et sans se préoccuper de la situation des agriculteurs. On peut acheter de produits laitiers, on bloque le passage. Aujourd'hui, par rapport aux entreprises de transformation, nous souhaitons, il y a eu un accord interprofessionnel qui a été signé il y a quelque temps. Et aujourd'hui, eh bien, il y a une entreprise, notamment le GLAC, qui est sur le domaine de lait de vache, qui ne respecte pas cet accord. Et aujourd'hui, si jamais aujourd'hui l'accord n'est pas respecté et que les agriculteurs n'ont pas des prix rémunérateurs, eh bien, nous risquons de voir d'enregistrer des départs de producteurs laitiers. Et cela, c'est évident que nous refusons à cette situation-là. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est un premier combat. Et demain, eh bien, nous en mènerons d'autres.